Bonjour et bienvenue, je suis Lantien01 et aujourd'hui nous allons faire le quatrième épisode de No Man's Sky. Donc nous allons continuer notre petite aventure, je suis toujours accompagné de mon collègue, ici présent. Bonjour à tous, salut les dragons, c'est Dracos. Et donc nous allons continuer notre exploration sur cette planète radioactive pour ma part. Planète toxique pour moi. Alors, donc je pense qu'on va souvent prendre le vaisseau spatial parce que les radiations me mangent l'espace de quelques minutes. Ça va me consommer trop de ressources. Trop de ressources quoi. Et cette planète elle donne pas beaucoup de ressources à première vue, donc je pense qu'on va surtout faire des avant-postes ainsi que les points de contrôle qu'on doit trouver sur cette planète. Parce qu'il y a vraiment très peu de ressources, mis à part, je suppose qu'on va avoir beaucoup de plutonium, c'est tout à fait logique, vu que c'est une radioactive, donc le plutonium est un élément radioactif, donc je pense qu'on aura plus de chances d'avoir ça, des cristaux radioactifs, quoi. Donc voilà, donc tout de plutonium. Et on doit pouvoir avoir aussi peut-être de l'iridium aussi, qui est aussi un élément radioactif sur cette planète, vu qu'elle est entièrement radioactive. Voilà les éléments principaux qu'on va avoir sur cette planète. Personne sur cette planète est chaud. Il fait blanc. Faut vraiment qu'ils... Enfin, je sais pas, les ennemis, mais comme il y a eu dans l'épisode précédent, c'est vraiment trop facile. Faut que vous ayez compris le système, ça... Ouais, il est assez banal. En même temps, c'est normal, je pense, que par rapport à... En fait, il y a quand même... Ah, il y a vraiment beaucoup de planètes, donc après, je pense qu'il y a des trucs qui doivent se rouler dans toutes les galaxies. Comme les questions, les épines, quoi. C'est tout à fait normal, hein, parce que, bon, après, voilà, ils ont quand même passé pas mal de temps pour construire le jeu. Ils ont quand même essayé, ils ont essayé de faire, et je pense qu'on va le voir, mais je pense qu'ils ont fait des planètes qui sont uniques. C'est pas eux qui les ont fait, les planètes, c'est procédural, c'est-à-dire que le jeu, il les fabrique au fur et à mesure. Ah, d'accord. Je vois. C'est totalement aléatoire, les planètes. C'est le moteur du jeu qui les fabrique en fait quand t'arrives. D'accord. En gros, je vais dire qu'ils ont rien foutu quoi. Bah, le moteur, en fait, le jeu fabrique les planètes au fur et à mesure. Les animaux, c'est pareil. Je pense qu'ils ont dû incorporer des bases dedans. Mais après, voilà, le jeu, il a simplement tout. Par rapport, je sais pas, par exemple, il pose le soleil à cet endroit-là. Et après, il construit les planètes au fur et à mesure autour. Et les animaux qui peuvent éventuellement être compris dedans, donc en fonction de leur santé, de leur forme, enfin, bref, par rapport à leur habitat, etc. Quoi. Okay. Donc, voilà. Donc ils ont rien foutu. Bon, moi je pense qu'ils auraient pu faire comme tout type de... d'autres modes de... d'autres modes de code, par exemple, je sais pas, un truc où tu dois faire un truc comme ça. Il y a plusieurs trucs, pas un truc avec les chiffres où c'est... voilà. Pour l'instant, actuellement, hein, je n'ai croisé que trois bon, types après, de codes différents. Après, c'est pas non plus un puzzle le jeu, donc... Si. C'est pas un puzzle pas, comme... Tu mets des codes, les codes, ils sont trop simples, quoi. Quand tu veux pas, tu fais pas des codes, comme... Ouais, bon après... Je vois aussi... Je vais en trouver du zinc parce que ça a mis du tout le zinc quasiment. Moi j'en ai mais... Voilà quoi. Protection radiation défaillante.
détection de radiation défaillante. Je retourne sur dans le vaisseau ou dans une base. Pour recharger mon machin, mais ça va vraiment me pomper tout mon zinc. Et du zinc, il a pas d'en avoir. Il a l'air de pas en avoir des. C'est que moi, je suis toujours un peu très zéro dans mon vaisseau. J'en ai aussi, hein, mais il y a une limite, quoi. J'arrive pas non plus à l'infini, quoi. Alors, par rapport à mon bug d'enregistrement, donc l'épisode précédent a encore quelques ratés, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus propre que les deux premières. Donc je pense, faut espérer que ce que je dis est bon. Donc là, j'ai réglé à 110 ce coup-ci en DPS, à savoir qu'après je suis en max après. Hein. Je pourrais pas laisser ça. Si mon enregistreur foire encore, je pourrais plus faire d'enregistrement quoi. Et il faudrait alors que je trouve un autre enregistrement, un autre enregistreur. Et sinon, je pense que je serai obligé de débourser pour un bon enregistreur. Parce que j'ai l'impression que ce jeu, il a l'air d'être un petit peu jeu râle. Chiant à filmer. Ouais, chiant à filmer. Le jeu n'aime pas être filmé, alors pourtant j'ai vu des gameplays de plein de personnes que je suis ainsi que Dr. Horse, il n'y a pas de problème. Alors lui, j'ai vu qu'il utilise un système d'enregistrement, c'est le Bandicoot, un truc comme ça. Donc il n'a aucun problème, donc je pense que je vais voir pour ça si c'est un enregistreur payant ou un enregistreur gratuit. Je vais taper ça sur internet, de toute façon, voilà, ou même je pourrais lui poser la question, je pense qu'il me répondrait. Il a déjà répondu, je pense, à plusieurs personnes. J'ai à revoir ses anciens commentaires, et puis voilà, quoi. Ok. Je pense qu'on va faire tout, là. Bon, c'est pas grave, cette planète, elle a plein de plutonium. Donc il me faut juste du plutonium pour les réacteurs standards. Donc je me dis que bon, on va pouvoir le faire tranquillement. D'abord je vais aller là-bas, j'ai vu qu'il y a une technologie là-bas qui est en train de m'appeler au secours. Et en même temps je récupère du T9 en même temps. Je vais filmer cette créature déjà ou quoi? Non, j'ai pas filmé. C'est quoi ça? J'ai l'air d'avoir des... Ben c'est pas toi que je veux, c'est pas la plante que je veux, c'est cette sale petite créature. Sors de ta cachette. Ah voilà. Sur les plantes, faut aussi que tu les scannes de toute façon. Ouais, je sais. Alors, c'est un adulte, genre inconnu, et il est soumis, donc c'est pas un ennemi. Ouais, tu rien. Une créature qui cherche la bagarre. J'entends des cris chelous de bestioles. Moi aussi. Genre, et je pense, bestioles. Je sais pas ce que je suis dans pas mon vaisseau. Je sais pas encore. Je suis, je vais pas couper la musique de fond pour juste garder les bruits environnementaux du jeu. Parce que franchement, les bruits environnementaux du jeu sont vraiment excellents. La musique de fond elle est très bien aussi. C'est, on va dire, c'est. Tu la mets à 50. Mais la musique à 50. Moi, ce que j'ai fait, on entend. La musique est vraiment en fond et on t'entend très bien comme ça le reste. Ouais. Bon après moi c'est vrai que dans les jeux en général je joue très rare avec les musiques de fond pour l'immersif. Donc je joue très rare avec la musique de fond. En général je garde que les boulons environnementaux du jeu. Voilà, de l'iridium, c'est ce que je me disais, hein. On va trouver beaucoup de trucs radioactifs sur cette planète. C'est pas mal. Bon, j'ai vu qu'il y a du zinc aussi, on va récupérer du zinc sur les plantes, comme ça on pourra aller plus loin à pied. En rechargeant la combinaison. Protection de radiation défaillante. Bah ouais, mon bouclier a lâché, il dure que 5 minutes. Donc c'est pour ça que je veux le nouveau bloc bouclier que j'étais en train de construire, mais que je n'ai pas la suite en fait pour construire pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai fouillé un peu cette planète. Radioactive dans la loupe des choses me dit que peut-être on aura, je sais pas, des éléments de protection contre les radiations.
pour les colons qu'il y a sur cette planète, Je me dis, ils ont un système de bouclier radioactif bien plus puissant que nous. Et en même temps, il y a du plutonium. Et je vais en prendre toujours du plutonium, parce que c'est très utile. Alors je vais quand même garder des cases hein, parce que s'il y a des éléments voilà, donc là j'ai du plutonium, ça c'est bon. Le bouclier, j'ai pas le charger maintenant, je pense que je le charge un peu plus tard, mais je pense qu'on peut avoir des boucliers bien plus puissants que ce qu'on a actuellement. J'ai vraiment pas d'esprit de ressources sur ce bouclier qui est vraiment à chier. C'est la première version du bouclier, mais... Voilà, on voit la planète, elle est jaune quoi, la planète quoi, elle est radieuse quoi. Elle est complètement radioactive cette planète. Ah, là il y a un truc pour apprendre. Ah, là il y a des oiseaux qui volent. Comment ils font pour survivre dans des, radiations comme ça, ces animaux? Ils ont des masques à gaz. C'est net. Ils ont des tenues anti-radiation. Ou je sais pas, peut-être toi, ils mangent beaucoup de radouais. Je sais pas. Aussi. Ils utilisent le radix. Alors par contre, les oiseaux, c'est ce qui est plus chiant à scanner en fait, parce qu'ils font plus de bouger. Bon, je vais rester 6 ans là, à essayer de choper cette saloperie d'oiseau là. Parce que ma souris est sensible, mais si je vais trop vite, je vais plus de l'oiseau après. Donc il y a trop de zoom. Changer la combinaison parce que là elle est en train de mourir. Je vais choper cette saloperie d'oiseau. Oh, ceux qui sont dans mon qui est en train de regarder de mon côté, je suis désolé que c'est lent, mais là ces oiseaux je les veux vraiment. Bon attends, je vais déjà prendre cet animal qui va à l'heure là. Oh, c'est un cheval ça. Ah, je constant. Asymptotique, hein. Et il est serviable. Substance nutritive, il les absorbe. D'accord. Et vous, oiseaux là. Une base qui a été attaquée. Abandonnée plutôt. Bon, je vais m'approcher un petit peu. Il y a quoi, des créatures d'arbi en bas? On va les prendre. Végétation. Okay. Alors, surtout que je voudrais savoir si ces oiseaux sont gentils ou méchants. Parce que si ça attaque les oiseaux, ça va être chiant à...
à les combattre grâce à leur agilité. On n'a pas un bouclier à distorsion temporelle pour qu'ils ralentissent cet enculé là. Non mais comme je t'ai dit, je peux les tuer. Je vais pas les tuer, ils vont se désintégrer. Je peux tuer pour ensuite les scanner quand ils sont morts. Sauf que moi, les créatures que j'ai tuées, à chaque fois, ils disparaissent. J'ai même pas le temps de les scanner. Ils sont morts. Protection radiation défaillante. Parce que je prends des dégâts à cause des plantes de merde là. Et vu que je suis dans un bâtiment, je peux pas tirer alors que le bâtiment est avant. Bon. Je suis un peu dégoûté. Aïe. On s'approcher de ces oiseaux. Plus proche, peut-être que je suis trop loin. C'est que t'as le zoom hein, sur ton... Oui, je zoome dessus, mais voilà. Okay. Bon, j'espère que je vais gagner un trophée en les chopant un moment ou un autre. Oh putain, je suis pas possible. On va s'en rapprocher un peu plus. J'ai vu qu'ils sont juste au-dessus de moi là. Et même là, tellement agile, ils font des... Le ciel il est clair. Alors, je vois pas le viseur. Ah putain, je les ai eus. Indéterminé, irradié. Quoi? Ils sont. Je vais les voir quand ils sont posés parce que enfin, je vais voir quand. Dans mon. Dans l'option. Alors c'est quoi, c'est ces oiseaux? Irrégulier, tempérament hibernante. Hibernante, ils hibernent pas beaucoup, ils font que de bouger. Et ils broutent. Bon, okay. En fait, en gros, toi, ton épisode sera seulement essayer de photographier des oiseaux. Ça va être super. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est photographier les oiseaux. Quelle est votre passion dans la vie? Je suis ornithologue. Hein, bah ouais. Les oiseaux. Bah, je vais pas les laisser tomber, les oiseaux ils sont là, alors je les filme. Parce que bah, ça va les mettre dans le codex. Mais ça fait partie du gameplay aussi, découvrir les planètes et découvrir de nouvelles espèces. Voilà. D'abord. Elle est partie du gameplay. Ce gameplay n'est pas que pilier, voler, les petits civils et tout ça comme toi, hein. C'est plus drôle, c'est de l'animation. Limite, il vole le bonbon à un gamin, quoi. Ouais. Est-ce que je le ferai pas?
Alors. Là on a du platine là-bas. Si je ne me trompe pas exactement, c'est du platine. C'est ça, c'est du platine. Ça j'ai plus de place. J'ai plus de place parce que j'ai. Technologie rechargée. Beaucoup de plutonium. Pour ce bon, j'ai beaucoup de plutonium et du zinc aussi. Ah ouais, c'est du fer, il n'y a pas de fer sur cette planète. Je crois pas. Peut-être si là-bas, du fer ça. Oh, le pauvre gars, il voit des balles qui passent au-dessus de son vaisseau. Ah, on tire dessus. Oh, le tir dessus. Il y a un vaisseau là. Ah. Il est en train d'attaquer un vaisseau civil, quoi. Alors. Touché. Ça fait chier d'utiliser ça pour ça, mais bon, il y a de la place. Produit construit. Faut qu'on soit ça. Putain, mais le système de combat, là, c'était hyper assisté. Ouais, c'est le combat, il est hyper assisté aussi. Cracher le vaisseau. T'as craché ton. Pas moi le vaisseau ennemi. C'est même pas un vaisseau ennemi, c'est un vaisseau civil. Mec, il attaque. Je vais voir comment ça se passe le système de combat. Alors c'est quoi cette pierre qui vole là? Chose là. Est-ce qu'il y a un élément. Un élément. Ah bah du cuivre. C'est du cuivre ça. Ouais, du cuivre. Ok, il y a du cuivre sur cette planète. D'accord. Ok. Comme ça le cuivre. Ah, pourquoi pas. Alors là-bas on a un truc pour apprendre la langue. Les récupérer les vaisseaux.
si c'est craché. Donc, qu'est-ce que ça a permis d'apprendre sur le système de combat comme ça? On attend encore un petit vaisseau tranquille. Bon, déjà le système de tir, c'est en gros quand tu te bats en fait un logo. Ouais, c'est t'as un petit triangle devant le vaisseau, en fait c'est l'endroit où tu dois tirer pour toucher justement le vaisseau. C'est très simple. Et de plus, il envoie un signal comme les drones, en fait, tu peux avoir des drones des drones intercepteurs qui vont venir essayer de t'intercepter. Alors, moi, il m'a dit qu'il y a des drones intercepteurs qui devaient arriver. Mais je les ai pas vus. Donc voilà. Avec un combat au-dessus de la terre, parce que ce con est tombé dans la nature. Ça explose tout simplement. L'ennemi n'a pas beaucoup riposté, hein. Il m'a juste tiré une fois dessus, puis c'est tout. Genre non, ne tirez pas dessus, arrêtez. Ah ouais, c'est normal, c'est un vaisseau civil. C'était un chasseur, c'est dark. Ouais, mais plus tard que dans les jeux spatiaux comme ça, les vaisseaux sont minimum armés contre les pirates, mais c'est civil. Hein. C'est pas des solidaires. En plus, j'aurais pu se défendre, c'était même pas drôle. Un navire civil, non? Moi aussi je suis un navire civil. Ah non, tu peux... Ah oui, mais c'est plus drôle. Sinon c'est tout mou, sinon faut avoir un petit peu d'action, sinon. Voilà, tu fais pirate. Un petit peu d'action. Hein? Je fais pirate. Ah oui. Sinon c'est mou, sinon faut un petit peu d'action. On pas obligé, hein. Ouais. Ah c'est délicieux. Et là-bas il y a un truc. Ok. Ouais. Je sais plus un magasin. J'ai pas perdu d'estime ni quoi que ce soit en attaquant le vaisseau. On s'en fout de 5.
tu connais pas l'espèce de laquelle t'as attaqué. Il y a même des trucs que je connais déjà. Je pense que je vais arrêter de ramasser les trucs de technologie parce que ça met que des schémas connus maintenant. Bah non, ils sont sur une planète starter au taille tout. C'est normal hein. Enfin t'as pas rien à trouver hein. Non, on sera plus qu'à attaquer les bases pour avoir le schéma composant. C'est là-dedans en fait qu'on fait les choses. Ah vaisseau ! Vaisseau ! Vaisseau ! Mais ouais, oh. J'étais en embuscade. Ok, du coup, pour ma part, je vais arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, du coup, n'hésitez pas de commenter, de laquelle vidéo ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir, ainsi que celle de mes collègues. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes, les amis. Allez, bye. Oui, adieu les pirates, oui.